De quoi? Ok. Vous serez prélevé la semaine prochaine. Non. Mais regardez, père. Oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Mais il avait pas d'armes. Il avait pas d'armes. Il avait pas d'armes. Dépêchez-vous. Je suis pas dans son véhicule maintenant. Mais quoi? Mais pourquoi mettez-vous des menottes? Je m'en vais. Oh, vous voulez vraiment que je vous raconte? Oui, racontez-moi. Vous êtes sûr? Oui. Je suis vraiment pas sûr. Hein. On a testé une nouvelle expérience. Ah bon? La pénétration anale. Doucement. Non, mais du coup. Oui, doucement. Du coup, il avait pas d'armes. Oh mon dieu, cette bite est énorme. Je vous explique. Sacha, fait diversion. Non, mais non. Diversion. Je veux pas que vous me racontiez, père. Vous êtes sûr? Oui. Au début, j'ai commencé avec la langue. Non, c'est bon, merci, père. Ensuite, j'ai titillé avec juste un doigt. J'ai pas pris le plus grand, mais ni le plus épais. Non, merci, père. J'ai commencé avec le petit doigt. Père. Oh non, j'ai perdu la capacité de sauter. Oui, très compliqué en étant menotté. Effectivement. Allez, on s'arrête immédiatement. Bah oui, bah je retourne là-bas alors. Allez, allons-y. Oh putain, je suis épuisé. Oui, bah Sacha, vous le vouliez, vous l'avez eu, hein. Ferme ta gueule, toi. Après, je vous cache pas que j'avais la sensation que ça serrait beaucoup trop. Donc là, je lui ai dit de se détendre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bon. Vous êtes rapide pour une fois. La tête de ma mère qu'auto Rambo, les gars. On dirait le mec derrière le comptoir dans les jeux vidéo, dans les RPG. À chaque fois qu'il vient. Il vient. Ah, oh, bien le bonsoir, messieurs. Que puis-je pour vous? Voilà, donc, direction la plage. On est parfaitement garé, félicitations Sacha. Et un nettoyage. Non, Jean. Non, mon dieu. Mon dieu. Pardon, Jean. Mais il a les yeux fermés, il est en train de convulser. J'ai encore deux semaines de c'est pas comme ça que les pâtisseries fonctionnent. Pardon, Jean. Je ne sais pas qui étaient ces personnes, mais ils m'ont ramené au Grimm. Avait-il un accent? Non. Portait-il un chapeau? Non. Avait-il des lunettes? Ouais. Oh, de toute évidence, il reste une solution. Ça peut être Harry Potter. Continuez. Non, c'est des deux de soleil, père. Et du coup, les Grimm Bastards, ils m'ont dit. Mon Harry Potter mon... l'été. Tu vois, hier, ça se gagne. J'aimerais retirer 23%. C'est qui cette pute dans notre jardin? C'est Yuna. Non. Vous allez bien, Yuna? Coucou, ça va et toi? Bah oui. Bah venez, rentrez. C'est à quelle heure GTA STP? Je te répondrai pas, Zacharia, parce que quand on est civilisé, quand on est bien élevé, quand on a une éducation, on dit « Bonjour, Mr. B-Boy, j'espère que tu as passé une bonne journée, salut le chat. » C'est à quelle heure, GTA STP? À la limite. Allons-y. Ah, super. Vous n'avez pas fait l'effort, hein? Non, avant, on va vous foutre de ma gueule, vous allez fermer directement oui, derrière. Je rigole. L'autre, elle fait « Allons-y, elle part, elle ferme. » Vous êtes à l'abri, ils vous veulent pas de mal. Oh putain! Non, oh putain, attendez, il y a un cougar qui me poursuit! Oh non, il y a un cougar! Waouh! Ah! Oh non! Waouh! Oh! Vous allez bien? Bah non! Ah bah oui, c'est le plus beau jour de ma vie! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déboulé comme une lubélule. Mais vous avez grillé le feu! Moi je suivais pas, moi j'étais en karaoké dans la bagnole là. Bah oui, mais c'est ça le problème, vous avez grillé le feu! 3, 2, 1 et. Tadam! J'ai volé un fauteuil roulant en ayant handicapé pour vous. Comme ça, si vous avez la flemme de marcher, et bah vous asseyez et Montgomery vous pousse. Ouvrez cette fenêtre là. Voilà. Oh bah, super, joli doigt. Oh, vous l'avez vu à travers les vitres teintées. Bah oui. Mais je vous le refais parce que vraiment vous avez niqué la caisse. Je vois bien. En fait, je crois que j'ai compris ce qui me plaît. C'est vu qu'il y a de la verdure un peu partout, il y a un effet quelque part. Elle en fait Exprime-toi, Dalia. Vas-y, explique-toi. Dis ce que t'as à dire. Là, t'en as lourd sur le cœur, ma petite Dalia. Qu'est-ce qui se passe? Retournez-vous et fermez les yeux. Vous pouvez vous retourner. Oh, vous ne réagirez pas en fonction de la réaction, hein. Je peux me retourner, non. Là? Oui, vous pouvez. Oh, ça va. Oh là là, j'ai cru que... Oh, je m'attendais à une coupe à la Montgomery. Oh, on a eu chaud. Bon, remettez quand même la perruque. J'ai essayé de coiffer un peu. Remettez quand même la perruque. Merci, P97. 97, derrière la Martinique. Maintenant, vous êtes sensualité. J'ai fait super bien. Vous voulez, je vous disais un truc, mais faut le dire à personne. Non, je le dirai à personne. Je le dis à personne. Allez, j'y vais. C'est bon, allez, maman. Mais c'est votre maman. Allez, Jules, vous pouvez le faire, mon grand. Je suis de la colère. Ah, oh non. Oh non. Oh mon dieu. Oh non. Oh,
En gros, là, actuellement, il y a le juge suprême Miller qui est sur une gonzesse avec qui il sort, elle s'appelle mademoiselle Eva Botticelli. Et en gros, c'est sa meuf. Mais moi, dès que je lui parle à cette Botticelli, elle est comme ça. M'assieds pas doucement, vous êtes une sensualité honorable. J'ai envie que vous me démontiez, j'ai envie que vous me cassiez le pomotage, j'ai envie que vous me donniez le Danao à la pêche venue de Martinique avec ce qu'on appelle 78% de cacao pour que j'ai puisse avoir le plaisir. Bim, bim. 8-6, bien chaude, écoute-moi ça. Aïe, ah, je me suis fusillé l'ombre. C'est déjà ce que la distance entraîne, soit c'est la guerre pendant 10 ans, sans trêve, soit je la quitte en lui disant, garde le sourire, plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Oh, sale connasse de Yuna. Que là ? Mais c'est pas du tout ça le refrain. Continuez la musique. Fais de la guitare, fais de la guitare. Oh, sale connasse de Yuna. Pourquoi tu m'as fait ça ? Quelle belle voix. Sale connasse de Yuna. Ça, c'est mon fils. Tu n'aurais jamais dû me tromper. Sa voix, elle est sublime. Sale connasse de Yuna. J'ai l'impression que ça se répète. Cœur brisé, très belle rime. Sale connasse de Yuna. Ok, c'est la fin du refrain. Mais serre-moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Un jeu, si tu pouvais le redécouvrir un jeu et. Par contre. Tiens, fils de pute. J'avoue. Putain, frérot, t'as la laine de Dahlia, c'est sûr. Non, pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Oh, sale connasse de Yuna. J'en ai 12. T'aurais jamais dû faire ça. Sous la de Yuna. Tu m'as trompé. Sous la de Yuna. Ton petit cœur, je vais le briser. Sale connasse de Yuna. Yuna, c'est une connasse. Yuna, la connasse. Non, c'est toi qui m'a brisé, sache. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir Jean. Alors, c'est juste pour vous dire que je viens de goûter votre gland. C'était somptueux. Ah, je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir des glands à volonté. Allez, Jules. Mais j'hésite, je ne sais pas encore. Mais il faut, allez. Peut-être que oui, peut-être que non. On va pas rester là 2 heures, Jules. Non, mais j'ai peur des voyages en voiture. Non, mais allez. Et le gland, et le gland, c'est schiste. Et elle a quoi? Non, mais c'est trop tard, j'ai mangé. Elle a avalé. Oh, Sacha. Attends. Ça donne que du goût. Quand vous avez décraché, c'est ce que je lui avais dit il y a 25 ans. Oh, mais c'est de la merde. Mais les gens ne veulent pas m'écouter. Merde, j'ai activé le mode bouclier. Qu'est-ce que c'est que cette merde, putain? Les gars, que quelqu'un me désactive le mode bouclier. J'ai pété un crâne, là. Je sais pas c'est quoi. Mais comment on désactive, frère? Mode bouclier, nique ta... Je vais péter un câble, les gars, de leur nouveau menu. Mais français, pas les sourcils comme ça. Votre moustache est immonde. D'accord, mais c'est un très grand CSC, mais ça, c'est mieux me permettre. Non, mais attends, non, mais non. Écoute, madame, s'il vous plaît, regardez nos moustaches. Le mode bouclier est désactivé. Ah, voilà, oh là là. Frère, pourquoi tu dis rien? Mais parce que je t'ai laissé parler. Dites-moi. Regardez. Mais pourquoi vous êtes aussi... Monsieur, pourquoi vous êtes aussi énervé? Comparez nos moustaches, s'il vous plaît. On pourrait dire que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Hein. Non, on est d'accord. Non. La moustache de Nana est distinguée. Cette moustache oui. Moi, c'est une moustache française. The French moustache. Après, ce que j'ai entendu, en France, il y a beaucoup d'arabes, quoi. Ah oui, c'est vrai. Pardon? Liam est rentré dans la voiture. Qu'on disait. C'est pas ce que je voulais dire. Ah si. C'est ce que je vous avais dit, Liam. Bon allez, merci, on se... Mais à bientôt. À bientôt. Salam alaikum. Salam. Mais où est la place de la femme? C'est ça la question que vous êtes en train de vous demander. À la cuisine. Mais non, ça, vous voyez, vous auto... comment dire? Oui, parce que je suis pleine d'autodérision, monsieur. Bah oui, bah vous avez raison. Mais vous cuisinez bien au moins? Bah, le problème, non. Mais vous êtes teubé, Claude. Oui, un petit peu. C'est marqué en gros sur le bateau, hein, en haut à gauche. Il y a un mode d'emploi sur le bateau qui dit « Attachez-vous !» Non, c'est caché. Claude, t'es un pêcheur. Bah, enlevez les cachets, enlevez les caches. Alors par contre, je mange bien, hein. Bah oui, mais vous mangez... Oui, ça se voit. Quoi? Comment ça, monsieur? Vous dites que je suis grosse? Non, vous avez l'air en bonne santé, pleine couleur. Ce soir, j'ai mangé une salade de concombre
tomate et cordon bleu. Alors faut pas me raconter sa vie, attention, j'ai pas demandé. Si. Non, c'est vrai qu'il a rien demandé, je suis témoin. Elle a les yeux du revolver. Elle a le regard qui tue. Revolver. Elle l'a tiré bon, en première. Est-ce que c'est bon pour vous, Claude? Ah, c'est bon. Ah, ah. Allez, tous ensemble. Elle a les yeux du revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Et encore, c'est pas ma plus belle queue. Oh, matez cette douceur. Boum. Comme moi hier soir. Non, vous n'avez rien fait hier soir. Allez. Bon, bah j'ai les boules pleines. D'accord, Katou. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, Nana. Mais non. Non, mais c'est incroyable. Mais non, mais il faut que je vous le dise, non, quand mais... même. Oui, vous aimez beaucoup ce style d'humour. Ouais, ouais, faut s'en aller. Moi, je veux décoller. Pas plus loin que le bout de mon nez. Moi, je suis spontané. Mais t'inquiète, je suis grave calé. Je compte les années. Plus beaucoup, je vais m'en aller. M'en aller, ouais, je vous le dis, je vais m'en aller. On s'évader, y'a pas de secret, on peut s'en aller. Tout s'est bazardé, bazardé, ouais, on s'évader. On peut s'en aller.